Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de colis et c'est un manga des éditions Manabook que je n'avais pas demandé mais ils viennent me l'envoyer. Voilà, alors je vais te remettre juste avant de continuer la vidéo, je vais te remettre le petit passage où je faisais mon intro en pensant que c'était tout des éditions Akata et en ouvrant et en voyant que c'est du Manabook. Voilà. Yahoo Bedivancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, logiquement, on est sur un colis des éditions Akata parce que, en fait, sur l'étiquette, c'est écrit Albin Michel. Et donc, forcément, Albin Michel, techniquement, c'est Akata. Le seul truc, c'est que là, je viens juste de filmer pour te mettre dans le contexte. Aujourd'hui, là, ce haut-là, je viens de filmer ma vidéo sur les éditions Meiyan. J'éteins la caméra, je rallume mon téléphone. Je vois un SMS de ma mère, tu as deux colis. Je descends, je vois deux colis. Yeah. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Techniquement, c'est la même maison d'édition. Sinon, je cutterai pour... parce que j'aime pas mélanger les maisons d'édition. Je sais pas si c'est ok, en fait, de faire des ouvertures de colis avec plusieurs maisons d'édition ensemble ou pas, et tout ça. Non, ça... Oh, c'est Manabook! Donc, on continue. Je l'avais pas prévu. Ils m'ont pas demandé non plus si je le voulais ou pas, donc ça me fait bizarre. Parce que du coup, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un envoi sauvage, sans te demander ni rien. Mais pourquoi pas, parce que honnêtement, ils m'avaient intrigué. Et je voulais lire l'extrait, justement, bah, là, aujourd'hui, le jour où je filme, on est samedi 3. Et donc, je devais le lire là, voilà, pour pouvoir leur dire, etc., à l'avance. Marié ou muté. Reika et Takuya sont agents de voyage chez JTC. De nature peu sociale et discrète, ils mènent chacun de leur côté une petite vie solitaire mais épanouie à Tokyo. Cependant, une nouvelle inattendue risque de chambouler leur quotidien. L'agence pour laquelle ils travaillent cherche une personne non mariée pour gérer toute nouvelle structure à Irkoutsk, en Sibérie. Ouais, bref, dans une ville en Sibérie. Heureusement, Reika a un plan. Se marier alors qu'ils ne se connaissent à peine. Voici le premier tome d'une comédie romantique moderne entre un jeune homme à lunettes aimant les chats et une jeune fille passionnée par la cartographie. C'est trop drôle! Voilà, 365 jours to the wedding. Donc voilà, je trouve ça trop trop drôle. Alors du coup, je vais quand même essayer de le lire. Alors, je vais décaler au niveau de mes lectures qui étaient prévues pour le mois de février. Et je vais essayer quand même de le présenter assez rapidement. Je ne sais plus du tout quand c'est qu'il est prévu de sortir. Attendez. Alors, ça va faire du bruit au niveau du micro. Je m'en excuse pour les quelques secondes, minutes que ça va le faire. Mais je veux voir avec toi quand c'est qu'il sort pour pouvoir savoir quand c'est que je dois le lire. Alors, bien entendu, on ne m'a rien demandé. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Je n'ai pas demandé à la voir, donc on me l'envoie 15 février. Mais je vais vous le présenter du coup en février et le tome 2 sortira le 18 avril. Donc cette petite vidéo ouverture de colis Manabook qui n'était pas prévue est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et pourquoi pas partager. N'oublie pas de t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas que ça permet des fois de pouvoir permettre de nouvelles choses comme des nouvelles collabs avec des maisons d'édition ou du nouveau contenu. Sur ce, à bientôt.